Hello à tous, c'est Gohan-san. Et aujourd'hui, on recommence les visites du flak public. Donc ça faisait un petit moment, on s'était arrêté à l'épisode 28, donc épisode 29 celui-là du coup. Et les miniatures font peau neuve. Je vais mettre une nouvelle miniature générale. Comme ça, on pourra dire que c'est une saison 2 finalement. Saison 2 de visite. Et du coup, j'ai abandonné le spawn. Et on va se retrouver sur le Warp Quartier. Donc vous faites Warp Quartier et vous atterrissez. Bah je sais pas, on va essayer. Ouais, on va essayer. Donc vous vous rappelez, hein, ça c'est le rond-point qui dessert le Warp Quartier et le spawn immeuble. Donc on va faire, on va essayer Warp Quartier. J'espère qu'il marche encore, oui. Et on se trouve sur le petit pont au centre d'un pâté. Donc on va commencer par des maisons finies. Alors je sais pas si elles sont toutes finies. En tout cas le quartier est plein. J'entends par là plein occupé par des builders. Builder pro, n'importe. Et peut-être, non, il y a peut-être ici qui est pas, s'il est occupé quand même. Ouais. En construction, il n'y a rien, c'est marrant. donc ouais, vous voyez, là c'est l'autoroute, là on est au coin, là après, bon, je vais faire un truc, on s'en fout, et on va visiter. Alors des maisonnettes, comment on fait? Celle-là, ma mère, elle m'a l'air pas mal. Donc c'est une maison de El Caribou. Caribou Celt. Caribou Celt. Ça va pas ensemble les deux mots. Caribou et Celt. Je sais pas. on va faire un tour extérieur déjà. Donc c'est immense. Beaucoup de détails. Ça c'est ce que... J'adore ces maisons-là parce qu'il y a beaucoup de détails. C'est pas très minimaliste, c'est ce que j'aime, minimaliste. À chaque fois que je fais du minimaliste, de toute façon je maximalise. Là il y a eu un petit bloc placé malencontreusement. Normalement il aurait pas dû être là. Je vais le laisser au cas où c'était un test ou un truc comme ça. Donc voilà, quoi dire de plus. Alors il y a beaucoup de... Alors, en couleur, il y a du bois, du blanc, du noir. Les vitres bleues, bon, ça, on peut pas vraiment faire grand-chose, à part des vitres transparentes. Et puis une vitre noire, là, pour... Ah bah ça, c'est pour le soleil, pour éviter d'avoir le soleil dans le... sur le parquet lisse et brillant du sol de basket. D'ailleurs, un gros espace là-dedans pour une baraque, quand même. C'est dingue, hein. Les gens, ce qu'ils peuvent faire... Alors beaucoup de détails, beaucoup de détails, des petites arches comme ça qui passent au-dessus, qui traversent là, non elles traversent pas, mais on peut croire que ça traverse, regardez, ça doit être au même niveau. Je vais remettre 2 secondes le petit curseur, vous voyez là, tac, et là, oups, puis je suis en speed plein, là, voilà, on va faire comme ça, vous voyez, curseur, du coup... là, ça permet d'avoir une terrasse ici. Tac. Voilà, puis on rentre ici. Ensuite, des détails. Alors là, pour bien aérer, pour faire... comment dire? Ouais, c'est bien aéré, vous voyez. En fait, c'est couvert. C'est même pas une partie de la maison. C'est juste que c'est couvert. Et vous voyez, là, il y a la maison qui a son propre mur ici. C'est pas une partie de la maison, on va dire. C'est juste une extension qui a été faite. Si par exemple on enlève ça, on laisse le terrain à nu extérieur, ça gênerait pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc un toit dans la tradition la plus pure, en bois. Tout en bois. Et une terrasse ici. Une terrasse en
finesse. Ouais, avec un escalier. Je remets un speed un peu moins parce que voilà. Donc une terrasse qui fait la largeur de la façade là. Et ouais, la façade elle continue là, mais c'est pas énorme. Non. Et on a plein. Alors là c'est un petit bar avec une petite protection solaire ici. Dommage qu'il n'y a pas pour le barman de l'autre côté. donc des sièges de bord, tout ça. Et une micro petite piscine. Vous voyez, une petite micro piscine à simulation de débordement avec ça, là, comme on a l'habitude de faire. Et cette maison, elle est longée par... Ouais. Par le petit ruisseau que ma mère a fait, qui va après là-bas, qui devait aller plus loin là-bas, mais on a encore des hésitations. Voilà, donc le petit ruisseau, il passe sous cette maison-là, qui est à Giovanni, je crois. Il passe là. Il passe dessous la rue, hein, petit pont, et il va là-bas. Voilà, c'est pour vous situer un peu le truc. Et là, boss, oui, boss. Boss, B-O-S. Il manque pas un S pour faire le boss. Boston. Boston. Ah, Boston, comme ça. Regardez. Donc, supportrice, il me semble, de Boston, l'équipe de basket. Je sais même pas si ça existe. Ensuite... donc le bois, très bien, très bon rappel de bois, de ce bois là qui est là-haut sur les façades, et l'inversement bien sûr. Ce qui m'embête un peu, c'est cette histoire ici, comme ça fait. Si vraiment c'est fait pour le décalage, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a eu un rollback en même temps et puis ça a fait un petit décalage. Bon voilà. Ensuite, là il y a une petite terrasse. Mediou, bah, il va pas s'en aller. Hein, le parasol, il va pas se barrer. Hein, avec le poids qu'il doit y avoir là. À moins que ce soit en mousse, en polystyrène. J'y crois pas trop. Avec, vous voyez, la nuit tombe en plus. On a de la chance. J'espère que personne ne va changer tout de suite. On va voir comment ça rend, vous voyez. Ça rend pas mal. La terrasse est toute allumée, regardez en fait. Il doit y avoir en dessous là de la glowstone pour que ça allume jusqu'à la limite. Finalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, et puis après là ça commence à devenir sombre. La largeur de la terrasse est bien proportionnée à la lumière qui est fournie par le pas de porte là. Voilà, donc on va remettre les jures pour nous, puis pour tout le monde. S'il y en a qui veulent pas, mais faites le P-Night, P-Time Night. Des parties alors spéciales, hein, on dirait une espèce d'arrondi là, tac, qui va se singulariser ici. Pareil de l'autre côté, donc c'est symétrique. Donc un bloc noir qui sort là avec des décorations bétonnées. Et alors le système là, il est bien fait le système, parce qu'il y a des ventilations, donc par exemple ventilation d'air chaud, d'air froid, voilà, on a les trois. Ensuite il y a des mélangeurs, tout ça, et ça va direct être alimenté par ça déjà, et puis partir dans les canalisations pour chauffage, eau froide et eau chaude. Ensuite pareil ici, donc il en faut deux parce que la maison est grande, ou parce qu'on sait pas quoi mettre ici. Et là il y a des petites machines. Alors comme il y a le truc là à aérer, il faut des diffusions d'air pour l'hiver par exemple, même pour l'été d'ailleurs. Voilà pour l'extérieur, la technique est là, hein. Moi j'ai rien à redire sur la technique. En plus, alors ici, pour accrocher la porte, qui va pas s'accrocher de l'autre côté d'ailleurs, c'est dommage.
trucs. Moi j'aurais encadré quand même. Brut. Donc voilà pour la porte, pour éviter de l'accrocher direct sur la vitre, sur la verre. Ensuite ici. Donc on va rentrer, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant on va rentrer au sous-sol du sous-sol où il y a le garage. Donc le garage il est ouvert. Et c'est quoi ça? C'est un tank? Ah ouais, c'est carrément on sort. Comment c'est le film un peu bizarre là des années 70. Arrête ton char, et pas Bénure. Bidas. Ouais, et carrément. Donc ouais, ça doit être le tank. Alors, soit fait. Il n'y a pas une plaque d'immatriculation pour dire qui c'est. Non. Alors, soit c'est fait au warp véhicule, soit c'est la personne qui a fait ça. Bon, tant pis. J'ai oublié de vous montrer aussi ça, là, les dépôts de. Enfin des décorations autour d'arbres. Et puis voilà, il y a des parties d'herbes et de fleurs. Et pareil là, pour reprendre l'histoire de ça là, pour les piliers et les lampadaires qui passent au-dessus de la machine. Regardez, vous voyez comment on peut faire aussi pour empêcher une connexion de texture. Le portail et tout. On va rentrer. Donc il y a ici pour rentrer à pied et de l'autre côté pour rentrer en véhicule. Je vais pas dire voiture vu ce qu'il y a dedans. Donc là c'est surélevé avec des piliers pour porter et le bloc là pour porter aussi. Les murs sont porteurs. Et on va rentrer ici. Une des seules portes on dirait de cette façade là. Des gens sont là. Alors c'est Enik et je sais plus qui c'est lui. Je sais plus. Faudra me dire si tu passes par là. Donc une petite cuisine avec. Ah oui, là. Alors là, c'est pas pour passer. C'est juste que. Faut pas trébucher. Donc le petit frigo avec ce qu'il faut pour ça. Il n'y a pas beaucoup de meubles pour ranger les assiettes, tout ça. C'est léger. À moins que ce soit tout ça. Livré par robot. Continuons donc une table. Ouais, la table elle est spéciale hein, quand même. Avec des chaises tout à fait à la bonne hauteur. Et donc le tapis, bon ça. Ouais. Et ici, ah dommage. Dommage, là il y a une mauvaise connexion de texture. Perso, j'aurais mis de la demi pour éviter la connexion. Bon, c'est une charpente. Hein. Donc une charpente, hein, tout ce qui est plus classique, qui passe à travers la vitre et qui est accrochée sur le dessus et sur les côtés. Bien qu'elle a l'air d'être accrochée sur la vitre, la charpente. Ensuite, ici, on a coin bibliothèque qui fait office de passage aussi. Avec une vue directe là-bas. Avec un petit passage là, c'est un petit peu du coup perte de place on va dire ici, bien qu'on en a quand même pas mal. J'ai mon ordi qui siffle, c'est bizarre. Ensuite, donc là il y a un petit salon, hop, avec une table, tout simplement, avec la télé. Voilà. Plafonnier, alors comme je les aime, des plafonniers avec des structures, avec des creux, des bosses, tout ça, voilà. Un pilier, et ici il y a une chambre, donc un coin déjà départ bureau avec des luminaires comme ça, voilà, ici des luminaires. Alors là maintenant la glowstone, moi elle m'emmerde plus à nu. On peut faire ce genre de choses là, c'est efficace. Une séparation avec une bibliothèque. Ah oui, alors d'accord, la chambre elle est en trois morceaux. Elle est studio, c'est un studio. Le coin bureau, le coin salon et le coin chambre. Et le coin salle de bain, allez hop. Les studios. Donc on doit être dans une dépendance carrément là.
dépendance accrochée à la maison. C'est le coin où il est légèrement arrondi, hein, si vous voulez voir par rapport à dehors. Donc voilà, ici, tac, là il y a des placards. Par contre, il manque un peu de déco ici, hein, je trouve. Là, il faut imaginer que c'est vitré, hein, bien sûr. On ne peut pas faire des vitres à ce niveau-là. Donc voilà pour la chambre. Ensuite, on va aller... Et puis ce tapis, là, il est spécial. C'est des bouts de tapis. Bouts de tapis de gamin, là, qu'on... en forme de puzzle. Donc voilà, on est là, tac. Non, là, on est allé. Ensuite, on vient ici. Non, on est déjà venu. En fait, il y a plusieurs passages. Hein. Il y a un passage là. Donc, qui donne sur l'extérieur. On va pas y retourner. Ensuite, ici, alors c'est une salle de bain, enfin salle d'eau, pas de bain pur parce qu'il n'y a pas de baignoire ou pas de douche. Voilà. Ici, c'est un petit bar. Donc voilà, petit bar. Et ici, on arrive sur le petit terrain de basket. Ensuite, ici, c'est quoi? Alors, ici, c'est l'espace jeu. Donc là, une machine à simulation. Un billard. Alors le billard, il doit manquer quelque chose, hein, parce que il doit manquer ça. Il y a dû avoir un rollback. Je te le remets. Oups. Pas facile. Hein. F1. Ouais. Ouais, c'était comme ça. Voilà, j'ai remis. Il devait peut-être y avoir de la déco en plus. Mais comme ça a été fait après la structure, tout ce coin-là, ça se trouve, il est vide. Il est vide. Les rollbacks, c'est super chiant. Oh, la connexion, là, ici, c'est joli. À reprendre. C'était comme Blink à l'époque. Des petits trucs comme ça. Ouais. Ah, et on voit la structure de la maison, ici. C'est cool. Petit coin... pour les truands. Ah ouais, du coup aussi, j'avais pas vu, on a un petit passage ici. Donc voilà pour la maison, il n'y a pas d'étage. Ouais, il n'y a pas d'étage. Donc tout bien structuré. Hein. Et une chambre. Donc voilà pour cette maison, je vous dis ben merci d'avoir regardé cette 29e... cette 29e vidéo, oui, pardon. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos sur la visite. Allez, ciao !